ça se voit. Fidèles abonnés, une fois de plus, ravi de vous servir encore dans cette énième vidéo en pleine forêt. Que du bonheur, que de la joie, que du succès. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille, surtout quand je me sens dans mon milieu, quand je suis en forêt. Beaucoup sont ceux qui consomment du Mbitakola. Le Mbitakola, c'est comme son nom l'indique, Mbitakola, il est très consommé. Chez nous en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Mais il y en a qui n'ont peut-être jamais vu le Mbitakola. Il y en a qui n'ont peut-être pas encore vu l'arbre de Mbitakola, mais ils en consomment juste le Mbitakola. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la culture du Mbitakola et nous allons vous présenter ce que c'est que le Mbitakola et comment ça se présente. Il faut dire qu'il y a assez de fourmis ici. Hein. Nous sommes en plein champ. Donc les fourmis sont un peu montées. On va changer d'endroit. Parce que comme vous le savez, chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Là-bas, il y avait assez de fourmis. Donc, il y a des fourmis qui sont rentrées sur moi là. C'est pour que vous compreniez combien est-ce que nous sommes prêts à traverser tous les risques, toutes les difficultés pour vous servir. Donc, il y a énormément de fourmis là sur moi. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous servir dans cette vidéo. Ça ne va pas m'empêcher de vous parler du Mbitakola. Car nous sommes habitués à cela. Alors, il n'y a pas de montage, c'est le live. Voici une noix de Mbitakola. Voici à quoi ressemble le Mbitakola. C'est ça, le Mbitakola. On peut dire à beaucoup que avant d'obtenir le Mbitakola, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de chemins à parcourir avant d'obtenir cette noix. Et c'est un peu ça, entreprendre aussi en agriculture, il faut passer par beaucoup d'étapes pour pouvoir avoir le bon fruit. Et ce Mbitakola nous donne vraiment cette bonne leçon. Pour obtenir maintenant un Mbitakola, il faut que je récolte le fruit comme voici. Une fois le fruit récolté, il y a les fourmis. Une fois les fruits récoltés, je coupe ma noix comme vous voyez là. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a. Quand on fait ceci, on doit normalement laisser pourrir avant de venir facilement récolter la noix. Mais pour vous montrer exactement dans cette vidéo comment ça se présente, voilà ma noix. Et puis je retire. Voilà mon Mbitakola. C'est ça le Mbitakola que beaucoup aiment bien consommer. Une fois dans ça, il faut laver et puis mettre à l'ombre et puis on peut déjà consommer. Le Mbitakola, c'est un produit forestier qui est vraiment très rentable. Parce qu'une noix comme ça peut varier entre 25 et 50 francs. Ça, c'est la vente en champ ou bien la vente à la maison. Mais maintenant, ceux qui achètent pour commercialiser peuvent vendre une noix comme ça à 75, 50. Donc, c'est une culture que je conseille à beaucoup de promoteurs à mettre dans leur plantation, s'ils ont peut-être une cacaoyère, s'ils ont peut-être les champs d'arbres fruitiers, ils peuvent mettre ça en champ pour pouvoir plus tard en bénéficier des bienfaits du Mbitakola. Le Mbitakola aujourd'hui se multiplie. On peut faire des plans où à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans par là, vous pouvez commencer à avoir vos fruits de Mbitakola. Donc je recommande vraiment à beaucoup d'associer dans leur champ quelques pieds de Mbitakola. C'est rentable, c'est non seulement sur le plan économique, mais sur le plan thérapeutique, sanitaire, c'est aussi très important. Vous allez remarquer que je me faute assez, c'est parce que là, il y a les fourmis. Mais pour vous montrer que chez nous, c'est l'agriculture de terrain, c'est la passion, c'est l'amour. Je ne cesse de le faire pour vous présenter vraiment cette passion, cet amour qui nous anime. Ce n'est pas un montage, c'est sur le terrain que tout se passe. Donc ici, là, nous allons continuer avec notre récolte de Mbitakola afin de larver, nettoyer et le mettre sur le marché. Si vous êtes intéressé par les plans de Mbitakola, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons mettre à votre disposition le plan de Mbitakola. Donc, c'est ça le Mbitakola. C'est comme ça se présente à l'intérieur. Il y a des noix,
y a des fruits qui peuvent avoir à l'intérieur entre 4, 5, 6 noix. Donc ça varie. Ici, on a 4 noix. Voilà une autre noix. Donc vous pouvez voir. Donc quand on coupe là comme ça, on laisse pourrir. Après que cela est pourri, il faut laver. Quand vous lavez, voilà ce que vous obtenez. Quand vous allez laver, vous allez obtenir les noix là, que vous pouvez plus tard consommer. Donc, c'est un fruit très rentable, c'est un fruit très important sur le plan économique, c'est un fruit très important sur le plan forestier. Donc, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. C'est ça le Mpitakola. Si vous avez l'habitude d'entendre parler du Mpitakola, ou de consommer ces éléments, voilà comment ça se présente. Et sur cette forme-ci, donc on cueille, et puis on blesse, on laisse pourrir. Et quelques jours après, on vient en récolte et on lave. Vous voyez que le Mpitakola qui est tant prisé, le Mpitakola qui est tant apprécié, nécessite des étapes avant d'avoir un fruit de qualité. Donc, si vous vous lancez dans l'agriculture, il faut savoir qu'il y a des étapes. Comme le Mpitakola, il faut d'abord découper, laisser pourrir et laisser récupérer la noix qui est importante. Donc, je vous recommande, je vous conseille à vous lancer dans cette culture de Mpitakola. C'est comme ça pour vous, le chantina, toujours sur le terrain, car vous le savez assez. Chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Nous ne faisons pas de montage. Nous sommes sur le terrain pour vous servir davantage à ce qui concerne l'agriculture, pour vous parler des bienfaits, pour vous donner des conseils, pour vous montrer des pistes de voie que peut-être vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est le Mpitakola de chez nous. Ceux Camerounais de la diaspora qui suivent, qui regardent cette vidéo, savent ce que c'est que le Mpitakola, savent l'importance du Mpitakola. Et je suis sûr que quand vous voyez cela, vous avez envie de déguster cette noix de Mpitakola, de pas où vous vous trouvez. Mais ce n'est pas grave. Une fois au pays, de votre plantation, vous pouvez mettre ce Mpitakola et en bénéficier de ses vertus. Car beaucoup savent que consommer du Mpitakola et quelques Guinness, ils pouvaient imaginer ce que ça conduit par la suite. Mais le Mpitakola est très important sur le plan de la santé. Très, très, très important. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos champs quelques pieds qui pourront vous servir, non seulement pour votre famille, mais aussi sur le marché. C'est très rentable. Merci, fidèles abonnés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.